quand on a entendu que la destruction de Védrine allait avoir lieu en tant que deuxième année, qu'avons un peu l'image de la résidence comme un peu une verrue entre guillemets sur le campus. On voulait absolument fêter ça, parce que c'est un bâtiment quand même emblématique qui est issu de la construction de l'ENAC en 1968 à Toulouse. Et puis aussi côté administration de l'école, ils souhaitaient organiser quelque chose, donc ils nous ont sollicité. On voulait vraiment rassembler un maximum de personnes, que ce soit les étudiants actuels, les agents de l'ENAC et aussi les anciens élèves. De voir autant d'anciens, franchement, ça me fait très plaisir parce que la grande crainte, c'était que pas beaucoup d'anciens se déplacent. Et du coup, ouais, c'est une réelle satisfaction de les voir. C'est très intéressant de discuter avec eux et même juste de les écouter, discuter entre eux. Parce que visiblement, il y a pas mal de souvenirs qui remontent. Cette initiative a étonné les enfants qui disent « Mais pourquoi faire une cérémonie pour détruire un immeuble ?» En général, c'est une inauguration, mais finalement, c'est une bonne idée. C'est sympa de se retrouver. Nous sommes arrivés donc en septembre 1969. 1969, 54 ans. Nous avions nos chambres à cet étage. J'avais la chambre 413, je m'en souviens. Quoi, toi, tu étais au-dessus alors. Pourquoi on se souvient de ça? Ça sert à rien de se souvenir de ça. La bagnole, la Mi-6, de qui c'était? Qu'on avait monté sur les marches, là. Pas simple de se lever au petit matin et de voir sa bagnole en haut des marches. Il y a une petite anecdote que je racontais aux petits jeunes là tout à l'heure, parce que ça se fait plus. Nous, on jouait au Pickles Dam au cercle là-bas. Vous savez pas ce que c'est, le Pickles Dam? Ah ben, il y a des carrés au sol en blanc et noir. Donc on mettait des verres de vin blanc et des verres de vin rouge, et on jouait aux dames. Et je te saute, et hop. Voilà. Et chose extraordinaire, j'ai récupéré tout à l'heure les clés de ma chambre, qui était la chambre 235. Que j'ai pas pu voir parce que c'est fermé. Mais alors, 50 ans après, je retrouve mes clés. C'est quand même fantastique. C'est légitime. Beaucoup d'anecdotes, très sympas. On a bien rigolé, ça donne aussi des idées. On a été plusieurs à être presque émus alors qu'on n'a pas forcément vécu à travers ces murs. Donc, très agréable. C'est une grande partie de ma jeunesse ici, Védrine. Je suis ravi que les élèves aient organisé ça. Une vie de campus, ça passe aussi à travers les résidences. Vu des générations d'élèves de l'école, se rappeler d'où on vient, la part d'histoire qu'elle représente pour mieux se tourner vers le futur, c'est très important. Un grand bravo et un grand merci à eux. Eh bien, moi, ça me fait vraiment plaisir, en tant qu'ancien président du BDE, de voir que le flambeau a été bien transmis et que nos jeunes générations sont pleines, on veut dire, d'imagination et très attachées à l'école. Je tenais à féliciter l'équipe de Quentin et Ronan pour l'organisation de cette belle manifestation ce soir. Ils ont vraiment été autonomes. Ça fait chaud au cœur de revoir que certains sont venus de loin, de Paris et d'autres villes de France pour cet événement. Donc c'était une très bonne idée. Je regrette de ne pas l'avoir eue d'ailleurs. Je suis très heureux qu'on m'ait invité pour la fermeture de cette résidence. Apparemment, elle est en fin de vie. Mais elle a vu beaucoup de vie, je crois.